Salut à tous, bienvenue pour cette deuxième épisode sur la construction suivie du réseau de Saint-Michel. Donc ça sera une vidéo un peu courte parce que tout simplement en février 2024 n'a pas été très très productive. Donc on va commencer par la première phase. Donc niveau première phase, l'usine. Donc l'usine s'est enfin illuminée, on va dire ça comme ça. Donc avec le kit que vous voyez, région et compagnie, donc très sympa à monter, simple, voilà, décoré à l'intérieur. Bon, il restera le détaillage, vous allez me dire, ce qui est tout à fait normal. Pour l'instant, le gros œuvre, on va dire comme ça, est fini. Le bâtiment qui a été fait avec les chutes du premier, et un petit bureau administratif, donc on verra ça plus tard, mais niveau, il reste plus qu'à le raccorder électriquement. Donc voilà, hein, ça a été fait. Autre point qui a été fait durant ce petit mois passé depuis la dernière vidéo, un peu de mise en ballast et un peu d'avancement sur cette partie. La mise en végétation, vous avez pu suivre dans une autre vidéo, donc sur le tuto. Voilà le résultat final, avec la mise en place du sable pour le petit chemin piéton à côté. Donc, comme vous pouvez voir, le résultat est vraiment pas mal, c'est vraiment sympa. Donc, dans les prochains temps du réseau, on va continuer à habiller cette partie-ci. Peindre les voies, peindre, mettre le ballast, patiner la voie. Parce que, comme vous pouvez voir en avant-première, hein, si je peux dire, un bâtiment a fait son apparition. Donc c'est un kit américain de Cornerstone, Walter Cornerstone OHO. Donc c'est un distributeur de granulats et de sabre, de sable. Donc avec des trémies, tout ça. Donc là pour l'instant, comme vous voyez, hein, il est brut de décoffrage. Hein, il a juste été mis en après. Sans les accessoires, sans tout le reste. Donc ça va être fait au courant du mois de mars. Donc on va avancer tranquillement là-dessus. Comme vous pouvez voir, ça va donner, je pense, un résultat ultra sympa, sachant qu'en plus de ça, il y aura des... Donc dans la partie ici, il y aura des trémies, des bureaux, des engins, tout ça, ça va être plutôt sympa. Et évidemment, de l'éclairage monté dans l'installation pour le mettre en lumière, pour faire quand même des manœuvres nocturnes. Après, sur le réseau, que vous dire de plus? Ah si, je voudrais savoir si, dites-le dans les commentaires, ceux qui possèdent cette machine, Joueff 72074. Celle-ci est digitalisée et personnellement roule très 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 mal. J'ai que des soucis d'alimentation électrique avec. Les roues, j'ai beau les nettoyer, elles sont tous, ressalissent tout de suite. Donc si vous pouviez me faire un retour là-dessus, voir si je suis le seul ou pas. On va en profiter pendant qu'à côté de cette 72074 qui reste à l'arrêt, il y a une boureuse, donc aux couleurs d'ETF que j'avais fait il y a quelques années aussi. Voilà, sur la base d'un kit qui brille. Voilà, et pour finir la vidéo, on va finir sur la vue un peu du dépôt. Oui, ça clignote encore pour ceux qui me disent, qui me diront, qui me le feront remarquer. Donc un pont de LED doit être installé, mais malheureusement en ce moment je suis un peu pris niveau professionnellement parlant et c'est vite compliqué de tout gérer en même temps entre la vie familiale, la vie pro. Donc ça sera fait quand ça sera fait. Voilà, je sais que le problème, j'ai la solution pour le résoudre. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le réseau. Merci pour ce court épisode, merci pour vos commentaires et vos retours. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter, je répondrai avec grand plaisir. Merci à tous, salut salut!